perf. Voilà. Voilà. Bon, non, mais c'est un truc de fou, quoi. Time, machin, perf 3. Ici, j'ai mis en 1000. Les unités. Vous voyez, c'est ici qu'on met en kilos. Et là, elle m'a bien mis en. Donc, une fois que vous vous êtes battu pendant une heure avec ce Tektron-là, que vous savez pas si ça va marcher, si ça n'a pas marché. Lui reste toujours là, donc je fais pas. Autopilote, on va voir après. Donc, waypoint, altitude. Ici, tout est revenu à zéro. C'est normal. Oh là 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 là. Non, c'est trop pénible ça. LFMT-LFT. Où il va durer 3 heures hein, le machin. Donc ça c'est bon. Arrival. Il m'a toujours pas mis la. C'est pas possible ça. Hein. Il veut pas me la faire là. Exec. Bon, lui, il est bien mis. C'est lui index. Là, c'est parce qu'il manque la VNAV. Donc, on fait full pan, on fait VNAV. FL180, pas du tout, camarade. La transition, les pans en FL180. La cruise, elle s'est barrée, évidemment. La cruise altitude, FL180. Une fois, vous vous êtes battu pendant des heures avec le. Les deux FMC, Transalt, c'est 5000. Pff, là là. Ah, Lex. Voilà, on va dire que ça va à peu près. Alors là, vous pouvez régler à peu près les vitesses. Hein. Donc pour ça, vous allez dans Perf, vous allez dans la 3. Et vous avez à peu près les altitudes. Hein. Flap 4, flap 5, c'est 136. Donc à la runway, on va dire qu'on est en 136 slash. Ici, on a 8000 nautiques. On va dire qu'on est en 190. Je le fais au pifomètre. Hein. Ici, on va dire qu'on est en 210. Paf, et là on a 10 000 nautiques, on est haut, on va laisser comme ça. Voilà. Flex. Donc lui, on dirait qu'il est bon. Lui, on dirait qu'il est à peu près bon. On va pouvoir contacter la TC. Alors, ici les waypoints, on a dit c'est bon. Où t'es dit j'ai fait et on est ici. Précide. Oh, tout ça j'ai fait. Et les perf 3. Donc on l'a fait. Icing, non. J'ai vérifié VNAV profile. Moi j'ai pas trouvé. Press exec bouton. Ouais, ça je l'ai déjà fait, pas le refaire. Hein. Ok. Alors autopilote, je l'ai pas encore. On va contacter la TC. Alors, la TC. Fréquence sélecteur. Donc, il faut commencer par le delivery. Sais pas si ça marche. Je crois, hein. Je crois qu'il faut commencer. Est-ce qu'il est actif? Ouais, d'accord. Pourquoi ça marche pas?
Alors, Tower, je sais pas. Grande. Ah, voilà, grande. Grande, ça marche. Principe, quand on clique sur un des. Une des fréquences, ça se modifie automatiquement dans le com. Hein. Donc là, par exemple, Montpellier, la commune, c'était Tower, 121,95. On va vérifier peut-être ici, je ne sais pas. Ça, c'est ce qu'il y a dans com. On m'a dit sans contrôle au sol, 121,95. Donc, c'est pas Tower. C'est grande. Il m'a dit que c'est Tower. Bon. J'y comprends rien du tout. Tower. Non, c'est ça. Donc c'est grande. Grande. D'accord. Ok. Donc là, c'était pas Tower. C'est donner votre flight plan. Alors, on va essayer. Donc, c'est pas ça, hein, mon flight plan. Alors, je vais faire. Je vais faire une copie dans le presse-papier. Dans le presse-papier. Je vais afficher. Non, c'est un peu une usine, mais c'est pas grave, hein. Je vais afficher ce que j'ai. Et lui, qu'est-ce qu'il me dit? Alors, 180 Bruch-Isère, Afrique et Finot. Donc, CQFD, j'ai rien fait. Et il m'a lu de mon FMC le plan de vol. On ne comprend pas du tout comment ça fonctionne. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Alors, non, annulé là. Là, c'est bon. C'est pas ça que je voulais faire. C'est ça. Donc, Look for Seed Star, il a regardé. Et je vais faire insert flight plan. Alors, ensuite, il me dit que je demande la clairance. On va demander la clairance. Montpellier Mediterranean Ground. Good morning. 3446 Echo Mike. Bravo Romeo Alpha Echo Romeo 195 request IFR clearance to Toulouse Blagnac as 3446 Echo Mike. Bravo Romeo Alpha Echo Romeo 195. Cleared to Toulouse Blagnac via Kilo Echo Lima Alpha 6 November. Runway 30 right departure. Initial altitude flight level 110. Squawk 2074. Donc si vous voulez éviter ça, je sais pas, bon, ça doit être en option. Vous enlevez le activate, donc c'est dans option, hein. Create. Voilà, il y a des options pour enlever. Alors je sais pas. On va enlever le readback. Parce que sinon, on va faire trop de bruit. Donc, save. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, le monsieur? On est via Kearney, 30 heures départure, initiale altitude, 10 scroll, scroll code. Alors, notre code transpondeur. Ah non! Ouh, que c'est pénible, ça! Donc, notre code transpondeur, on va le mettre en stand-by. C'est 20 64
14. Ok. Alors, il faut que je fasse un readback hein, pour dire que c'est que dire qu'il répète. Hein, c'est le collationnement. Donc, ça c'est bon. Donc, presse autopilote. Alors, request engine startup, on va le faire après. Demander la tour. Alors, ici, quand on se met sur l'autopilote, en fait, on va donc. Le HDG de la piste de décollage, c'est pas celui-là, mais on le fera après, c'est pas important. On a le premier niveau d'altitude, c'est le level 110, donc on va le régler sur autopilote. Donc c'est ici dans altitude et on met 110. Alors vous voyez, ça bouge ici dans le PFD et aussi ici dans le FMC. Et évidemment, il faut mettre la bonne altitude. On a 10, 110, donc on met plus petit là. Je ne sais pas si je vais arriver à 0. Là, je comprends pas pourquoi non plus. Ici, c'est en 60, je ne sais pas. La vitesse, le speed Mach, la vitesse, on a dit que c'était 290. Non, c'est pareil. 290. On va mettre 280 pour faire des économies, je sais pas. Alors, non, c'était pas ça. Check départ, c'est bon. L'altitude chip, c'est bon. La V2 speed, c'est bon. Vertical speed, je l'ai pas mis. Je vais le mettre. C'est par ici, c'est ici. Hein, vertical speed. Hein. On va mettre 1400 pieds par minute. C'est fait. Et là, on peut faire. Donc là, on a tout fait. On est sur nav. On a tout fait. On peut faire MCP altitude. Before start, altimeter logo. Alors on va faire tout ça. On va couper ça. Ici c'est notre ATC. Alors les U-dampers. Le U-damper, il est mis. Le fly director, il est mis. Donc on voit que tout c'est, on n'a plus que le break qui est en rouge hein, dans l'écran de contrôle, dans les casses. Et ça s'appelle ICAS. Vérifie altimètre. Alors l'altimètre, on est à 200 pieds. Je sais pas. FMT, fichier les informations, vue d'ensemble. On a un 1015, un Q1015, et on est à 17 pieds, donc on n'est pas à 200 pieds. Alors, c'est ici le barreau. On a dit qu'au 1015. 1015, je crois qu'il m'a dit, c'est ça, hein, 1015, 60 pieds. Ah, 1014. Ah, ça change tout le temps. 1014. Voilà, on est à 30 pieds. Donc, on va dire que on vient de faire. Alors, donc, c'est répertorié entre les deux. Hein. Là, il l'a mis correctement. Hein. Sur le first officier, hein, le copilote. Logo et inspect. Alors ça, je comprends pas pourquoi il me les fait, marquer. Le beacon pre-start engine. Alors setup pushback. Alors j'ai pas de pushback hein, parce que je me suis dit que ce serait déjà compliqué. À Montpellier, elle est loin là. Elle est là-bas là. La Trentaire, donc c'est loin. Plutôt que de faire des. Je suis sur la guette qui est la plus proche pour sans faire de pushback.
Donc on va dire qu'on a setupé le pushback, les navlights. Là, il aurait pu me faire faire tailleur, le lavlight, APU start halt. Ben oui, j'ai déjà fait mon APU, camarade. APU check running, wait, bleeder switch. J'ai mis sur APU. Et air conditionné, les deux packs off. Prépare pushback. Vérifie display art en ouais. Fast seatbelt on. Je sais pas ce qu'est dit la madame. Front door close. Oui. Engine start. Alors, avant l'engine start, on va donc demander un request engine start. Hop. Alors, Montpellier Méditerranée Grande, machin, request. Alors, readback, je collectionne et je vais démarrer mes moteurs. Alors, il faut mettre le chronomètre hein, quand on fait bien les choses, c'est assez facile. Il faut se mettre à peu près ici. Donc, le démarrage des moteurs est là et là avec l'ignition et le start. Mais en fait, c'est automatique. Quand vous allez mettre sur start, le bouton ignition il va se mettre sur auto. Alors, on enlève le capot. Il y a un capot. On enlève le capot. On attend que la petite main elle se mette correctement. Et on appuiera sur start pendant 10 secondes pour que le N1 arrive bien au-dessus de ce voyant, au-dessus de cette pinule. Hein. Sinon, il démarre pas. On y va, on est bien sur le 2, hein. Oui, sur le 2, hop, hop, alors, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà, il faut 10 secondes hein, à peu près pour que le moteur démarre correctement. Donc on attend que ça se stabilise. Alors, c'est toujours le même principe, hein. N1 à 20, l'ITT à 600, 600, à 600, le FFP, là, et puis le N2 à 60. Hein. C'est toujours pareil. Hein. Les paramètres à vérifier, c'est toujours 20, 20, 660, hein, quelque chose. Donc, on fait, donc, générateur d'eau, ça, je les avais mis tout de suite, on fait la même chose pour le moteur 1. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est bon. Donc on attend que ça se stabilise. 19, 500. 19, 500 et 63, la température, mais pas la même, on sait pas pourquoi. Oh, 84, peut-être il monte. Ok, donc on a toujours plus que les breaks. Donc on suit, on continue à suivre. Donc on fera pas un request pushback, on fera un request taxi direct. APU master, on va donc la couper. Alors, master APU stop, bled 1 et 2 on, l'air conditionné, les packs, on les remet. Et là, on a mis sur les deux générateurs d'air. Hein. Alors, vérifie pitch and trim, ça on avait déjà fait. Autopilote engagé, certainement pas, camarade. Alors ça, c'est une erreur. Hein. Surtout pas engager l'autopilote, là. Moi, je vais l'engager quand l'avion sera stabilisé, en l'air. Hein. Pas mettre l'autopilote avant le démarrage. Hein, c'est... Donc, 7 FMS. Alors, FMS, c'est pour que
le PFT et l'avion soient guidés par notre plan de vol. Alors, donc, le bouton est là. Bon. Set nav on, c'est le nav et le VNAV, je le mets pas. Banque limite on, donc ça c'est pour limiter le banque à 10 degrés. Bon, ça fait pas beaucoup 10 degrés. Hein. Alors, vérifie take off data machin. Alors, pour ça, je fais toutes les choses du mieux possible. Si j'y arrive, il y a un bouton take off config. Donc, si j'appuie ici, il doit tout me dire que c'est bon, sauf le break. No takeoff. Flaps. No takeoff. Trim. No takeoff. Brakes. Donc, j'ai pas mis les flaps. Alors, 1 et 2. Donc, c'est pas mal parce que ça nous permet d'avoir le perf. Donc, on va le refaire. Hein. Ça fait un peu de bruit. Hein. C'est toujours trop fort, ça. Mais ça c'est parce qu'il y a des gens sourds qui font les... No takeoff. Brakes. Voilà, il n'y a plus que les freins qui empêchent le takeoff. Donc on est bon. Passager sync, take-off minimum, autobreak RTO. Donc ça veut dire reject, j'ai appris take-off, speed break, arm, je les ai pas armés. Donc ils sont ici. Voilà. Et en principe, il s'est marqué ici speed break off. Par contre, les flaps, c'est assez illisible. 15, 10. Alors, comme c'est illisible, on va chez notre copain 1 et 2. Et là, il y a marqué 15, 10. Donc, 10... Là, c'est les flaps et là, c'est les slats. Le slat, c'est ce qu'il y a devant les ailes. Ils sont en 15 et l'autre, c'est en 10. Et là, c'est pas du tout en... C'est en deuxième cran de volet. Bref. C'est pas grave. After pour SPAC. Donc, traditionnellement, on fait les contrôles. Hein. Hop, hop, hop. Hop, ouais, c'est bizarre ça. Hein. Hop, ouais, ça bouge avec mon. Ouais, bref. Il ouais, n'y a pas de. Bref. Alors, les flight control check, ils ont été faits. On va mettre les taxi lights sur on, le nose. Sa inspection et logo, je les enlève. Le strobe. On le met le transpondeur. On le met sur TA All. Je sais pas trop ça parce qu'on n'est pas encore release break start taxi et hold. Donc on va demander nos requests taxi. Alors, good morning. C'est à qui que j'ai appelé ça? Je sais pas. Read back, donc taxi tout le runway 30 et je contacterai la tower quand je serai au holding point. Read back, on est d'accord. Ici, je me remets ici, on va enlever ça. On va aller au holding point. Bon, donc on a encore des paramètres à régler là dans les vitesses, c'est bon, l'altitude on a mis le nav, on a mis le FMS. Bon, on enlève le parking brake, on met un peu de voilà majestueux. Donc
Donc je vais recommencer à essayer d'utiliser 1, 2, 4, tout ATC là. 1, 2, 5, 2, 80, si, je sais pas comment dire en anglais. Donc là, il faut que j'aille là. Hein. J'ai pas regardé mon machin, mais c'est ça. Hein. Mon machin, ça veut rien dire. C'est pas mon machin. Hein. C'est. Voilà. Donc j'ai pas tout. Hein. J'ai plein de trucs que j'ai pas montré. Hein. C'était très long, hein. Très très long, hein. Donc là, je prends. On va essayer de montrer d'autres choses quand je serai un tout petit peu plus loin là sur. Je vais m'arrêter là. Que je gêne pas trop les gens. On va m'arrêter là. Donc il y a ça que j'ai pas montré. Cet écran là qui est l'écran les casse hein. Alors il y a plus que ça donc le map déjà j'ai pas fait la navigation c'est l'écran standard alors il y a le flight plan avec qui se met en step hein. En step ici hein, pour vérifier le flight plan ou bien en map. Et après les options de map, elles sont ici. Donc on a l'échelle, après les navettes, les airports, voilà. Donc si on veut avoir un écran clair, il faut enlever à peu près ça. Donc ça c'est la première chose. Et ici on a les cases de toutes les choses. Donc le statut, c'est ce qu'il y a par défaut. On a les flight control. Qu'on a fait à la main, qu'en principe il faut faire avec ça, hein. Les hydrauliques, le fuel, l'électrique, ECS, je pense, c'est la température, les anti-ice pour voir si le fréon est bon. Donc voilà. Ici on a le temps, faut mettre sur navigation le temps. Alors, éclairage, je sais pas comment ça fonctionne. Et là, j'ai terrain radar. Donc, j'ai chargé. Voilà. VSD, je sais pas ce que c'est. VSD. Ah, c'est des vitesses. Bon, je sais pas. Voilà, terrain radar. Donc, il faut le plugin terrain radar. Hein. On va se remettre sur. Voilà, on était. Navigation. Navigation, on est en 5, ça me va. Voilà. Donc on peut repartir. J'ai fait ma petite démo de ce que j'avais oublié. Voilà. Donc si vous voulez faire comme pour de vrai avec 1, 2, 4, c'est 1, 2, 4. Pourquoi il s'appelle 1, 2, 4? Si c'est 1, 2, 4, 124 ou ATC V2. Vous mettez le son. Hein. Mettez le son. Donc bah on continue. Hein, on continue. On va. Je sais pas où j'en suis là, mais je pense que ça fait un moment. On va pas faire un. On va pas faire un complet. On va essayer de faire comme d'habitude sur les. Sur les Golden Dark, de faire un décollage, stabilisation sur le plan de vol. Et je vous renvoie au vol que je ferai pour l'approche ILS qui est encore particulier avec cet avion. Hein. J'ai été obligé de demander de l'aide dans le forum explain.org pour arriver à choper l'ILS. Hein. C'est une demande que j'ai faite dans le. Dans le forum sur l'avion dans explain.org.
Il y a des forums spéciaux par avion. Là, on est à la première. On va aller jusqu'au bout. D'ailleurs, là, il dit qu'il dit pas où il faut aller, mais on va voir que c'est au bout que le. La tour nous appelle. Alors. J'espère que ce sera utile à certains parce que il est compliqué cet avion, hein, je trouve. Les deux FMC qui sont pas pareils, le Texton, le Texon et le natif. Donc je pense à freiner aussi parce que la 36 ça commence à aller un peu vite. Donc j'ai mis des freins différentiels. Hein, bon, ça, je sais pas si c'est nécessaire. On freine histoire de pas aller dans la mer. Bon, histoire de pas aller dans la mer. Et là, quand on arrive, il se déclenche tout seul. Ce qui m'a fait plusieurs fois le 124 tout ATC. Voilà. Donc là, il dit contact tower, have a nice flight. Donc on va contacter la tower. On va freiner. Alors, il faut collationner. Et donc là, il me dit tout Montpellier, Méditerranée Tower. Je fais Tower, on va vérifier si ça change. On est en com Tower. Voilà, donc ça marche bien. Donc on m'a bien changé mon radio. Et je fais un request takeoff. Donc good morning, on holding point on runway, ready for departure. On attend. Vent 30 11 nœuds, clear for takeoff. Donc read back. Je suis d'accord et j'y vais. Alors, autre chose que j'ai pas réussi à trouver sur cet avion, c'est est-ce qu'il y a un bouton Touga? Je sais pas s'il y a un bouton Touga. Enfin, moi, je l'ai pas fait comme ça. After pushback. J'ai pas suivi ma liste. J'en étais là, 7 verticales, 7 FMS, take off, engine 40. Oui, là je comprends pas parce qu'il dit qu'il faut mettre l'engine 40 pour décoller. Ouais, c'est un peu moyen ça parce que engine 40 pour décoller, ça fait pas vite, hein. 40%, hein. Donc on va tout vérifier. Alors le parking brake, on va tout vérifier. Donc déjà les lumières, les taxi lights, on les vire. Nav c'est bon, red ça c'est viré. On met les landing lights. Runway, on est toujours d'accord. Ah, je peux par contre montrer comment faire. Alors pour attention, il faut pas appuyer pour remettre le HDG. Il faut le faire à la main. Moi, je le fais à la main parce que j'ai l'impression qu'il se met en une push 5. Ah, si ça marche. C'était marqué push 5. Donc, je retire ce que j'ai dit. Donc, FMS, je suis bien en FMS. La vertical speed. On est bien à 11 060. Je comprends pas comment on peut enlever les 60, c'est pas grave. Vertical speed c'est fait, le FMS c'est fait, engine 40% et on décolle. Et ben go, on va pas mettre 40%, on va mettre plus que ça.
on lâche et on décolle. Je sais pas trop tenir mon ma ligne. V1. Oui. Rotate. On rotate. V2. On rotate. On rotate comme on peut. On enlève les freins et on va monter si possible. En suivant notre plan de vol. Donc là, ça monte. Je laisse continuer. Read back. Donc là, je laisse. Je suis en nav et on va mettre l'autopilote. Alors l'autopilote, je ne sais pas pourquoi il descend comme une brute. Non, il remonte. On va enlever un cran de flap, on va mettre les autotrottles et on va enclencher la vertical speed. Voilà. Alors, qu'est-ce qui nous dit contact Marseille? Alors on regarde à nouveau, là on est en 118, si on contacte 126, c'est senteur qu'il faut appuyer. Marseille senteur initial call, on appelle Marseille. Voilà, donc ils nous disent que on est vers le flight level 110, hein, ce qui nous avait été donné. Climb to flap. Continuer sur le level 110. Read back. Je continue sur le level 110. Voilà. Donc le VNAV et les autotrottles, moi je les enclenche après, hein. Après avoir monté suffisamment haut, hein. Alors, c'est pas joli ça? Montpellier. Montpellier. Hein? On fait une petite. Des petites photos. Bon, ben voilà, VNAV engage. Je sais pas trop le VNAV. Les VNAV, je suis pas un ferme partisan. Donc FMS, progress. Ouais, ça c'est ça que je comprends pas. C'est que mon plan il est bon, mais il dit qu'il n'y a rien de chargé. Progress 2, voilà. Bon, je comprends pas du tout, hein, ça. Non, surtout pas appuyer sur init. Progress 1, MCU. Toujours appuyer sur MCU index. Bon, perf. Voilà. Bon, et ben voilà, donc after take-off, qu'est-ce qu'il me dit? Donc le VNAV, je l'engage pas, les flaps, il faut que les retire complètement, ce serait pas mal. Et les landing lights, je suis à combien? 5007? Ouais. Alors, HDGCL, 5007, on va... Aïe, aïe, aïe! Que j'aime pas, c'est tout. Les landing lights, on les coupe. Hop. Qu'est-ce qui nous reste? Les strobes steady. Je sais pas ce que c'est, steady. C'est ça. Faut les couper.
Alors, descente, et eh ben non, j'y suis pas encore là. Voilà. Read back. Alors, ah oui, il faut que je monte au 180. Ok. Et donc, bah là, il suffit de monter au 180. Je comprends pas pourquoi c'est 1060 là. Je sais pas. Là, je suis en 1014 au lieu de 1013. On est presque. Voilà. Donc, bah voilà. Hein, voilà. Donc, pour ce. Qu'est-ce qu'il dit? Makeover. Handover to Marseille Center. Contact chez Shenyang Center. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Shenyang. Oulah. Shenyang Center. C'est qui Shenyang? Oula, il se mélange les crayons là. Bon, pas grave. Il y a des Shenyang. Shenyang Center, mais il est fou. Il y a des TC dialogue. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'était afficher les fréquences sélecteurs. Si je fais center. Climb to ouais, un read back. On me dit de monter, mais je monte, camarade, je monte. Ok, allez, à bientôt. Allez, au revoir, à bientôt.